pessimiste, c'est la personne qui va proposer des solutions techniques, proposer quel matériau utiliser pour le bâtiment, qui va ensuite mettre un coût sur la création avec tous les matériaux qu'on va utiliser pour avoir une idée. Et c'est lui ensuite qui va intervenir si jamais il y a des problèmes techniques, qui a besoin de changer des matériaux, des choses comme ça. L'économiste est tout le temps en relation avec l'architecte, une relation assez proche, je dirais, parce qu'il a du coup tout le temps besoin d'avoir un retour de l'architecte, parce que certains matériaux peuvent aussi changer l'aspect visuel, et l'architecte, il faut qu'il soit d'accord. L'économiste doit aussi voir avec l'architecte par rapport à l'aspect technique, parce que au niveau du coût de revient, une poutre peut du coup être faite en différents matériaux, ça aura pas la même résistance pour un bâtiment, il sera peut-être moins solide, ou alors des fois on n'a pas forcément besoin de mettre des poutres en acier, du coup ça reviendrait plus cher de mettre des poutres en acier alors que ce serait pas forcément nécessaire.